Sur un plan personnel, ça l'est, sur un plan général également. En effet, maintenant, je dois dire que je suis d'autant plus satisfait ou heureux que le score est très net. Et il était essentiel que, quel que soit le candidat de notre famille politique, celui qui aurait été désigné par ses concitoyens le soit très largement, de façon à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ce soir, il n'y en a aucune. La question vous a déjà été posée cette semaine, est-ce que la victoire de votre favori vous donne des idées pour l'année prochaine? Écoutez, on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. Pour le moment, c'est une... Moi, c'est une victoire qui, effectivement, me réjouit sur un plan personnel. Vous savez que, dès le départ, alors que François Fillon était très bas dans les sondages, hein, j'étais à ses côtés pour des raisons que vous connaissez, qui sont des raisons d'amitié, de respect et d'estime pour la personne. Vous dites que je vais y réfléchir. Je ne peux pas ne pas y réfléchir. C'est assurément.